Cool. Alors, les bébés, oui, les bébés, on y jouerait tous les jours, les bébés, oui. Vous voyez, je suis en très grande forme. Ça va bien, et vous? Youhou! Allez, zou! Faites-moi péter les boboules. Allez, allez, allez. Alors, il y a un petit temps de chargement pour le Marble. Il se fait désirer, le vilain. Et je vous présente un écran noir. Je suis désolé. C'est pas de mon propre chef. C'est pas de ma volonté, mais bon. Léger, il est comme ça. Wally, voilà. Touc. Alors, attendez. Je fais sauter le. Tac, 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 tac. Le rendu. Je vais peut-être mettre en pause et économiser de la bande passante mon retour sur l'ordi, ce serait plus sage. Histoire que vous n'ayez pas une qualité trop merdique. On va se faire un mini grand prix. En un quart d'heure, on peut se faire 6 courses, je pense. 6 courses, c'est déjà pas mal. Ouais, 6 courses, c'est pas mal. On va faire un quick grand prix. Ah bon, ben, j'ai. Voilà. J'ai lancé le tout team. Point d'exclamation! Hey! Faites-vous plaisir. Alors, je rappelle que les textures des billes, j'ai un peu changé. Alors, j'ai que deux choix, hein. Je suis pauvre. Je suis désolé. Mais j'ai essayé d'avoir la fraise, mais pas que la texture. En choix numéro 2, aussi la forme de la fraise. Mais il faut engager des points que je n'ai pas de fidélité au jeu pour fusionner tout l'ensemble. Enfin bref, avec le temps, week-end après week-end, ça va s'étoffer et puis je vous proposerai davantage de choix. Mais là, je reconnais que ça fait le clodo des billes. Hein. J'ai deux choix! Alors qu'il y en a d'autres qui ils en ont des dizaines et des dizaines. Alors, ah, la musique! Eh, hey, faut que je mette la zizik, moi, je peux vous mettre de la benzik. Là aussi, j'ai pas fait mon boulot, c'est pas bien. Je peux rajouter plein plein de musique et je l'ai pas fait. Et qu'est-ce que c'est que ça? Je mets des musiques mystères. J'espère que je me suis pas paumé dans les zik et que j'ai bien que de la musique libre. Sinon, je vais me faire taper sur les doigts au niveau des droits. On va suivre Aeroster. J'ai cliqué au pif, hein. Oh, c'est beau! Hein, il y a un petit peu plus de billes rouges que de billes blanches, mais c'est beau! Oh là là, il faudra vraiment que je vous propose d'autres textures plus tard, parce que ça fera des goûts et des couleurs, ce sera tout mimi. Ce sera tout mimi. Ce qui ne m'empêche pas, vous êtes malin, de lier les deux plaisirs. C'est-à-dire qu'on peut, voilà, fièrement exhiber nos billes, comme dit Nachemman, sortons nos billes, et puis bavarder. Évidemment, je reste ouvert à ce que vous m'écrivez dans le chat. Alors c'est vrai que de mettre du point d'exclamation play à tout va, faut que je remonte dans le texte. Message de FunFan 1992. Le sage, on peut déjà faire la voc privée. Ah, tu as raison. Voilà une idée qui est bonne, mais vous êtes des génies. Ah là là, c'est bien vu. Y est-vous la cold? Ouvrons le Discord. Alors, un petit FunFan. Alors, FunFan, où y est? Funfanounet, il est où? Quick. Alors je t'appelle en privé, hein, Funfan. Enfin, tout le monde t'entendra, mais. Ouais, mais c'est pas grave. C'est bien, on t'entend bien. Ouais, c'est cool. Comme ça, on gagne du temps. Hein. Oui, non, mais très bien. C'est de l'art. Exact. Non, non, rien à redire, t'es un chef. Puis comme ça, Twinsen, il pourra dire, ah, il y a ça qui va pas dans le micro et compagnie. Mon ingénieur son ici. Ah, ma cam est figée. Alors attends, j'ai bousillé ma cam, merde. Bah alors, oh, elle est capricieuse cette cam. Webcam. Magie voilà. Du démon. Ting. C'est bon, c'est revenu. Merci, voilà. Dragon Sky, de la remarque, ouais. C'est pas évident d'avoir l'œil partout. Le pire, c'est que j'ai la chance d'avoir un modèle de webcam. Il faudrait que je vous prenne un miroir un de ces jours et que je vous renvoie l'image de ma webcam en train de marcher, en train de fonctionner. Et vous verrez, j'ai deux lampes. J'ai le fait qu'elles soient connectées électroniquement en rouge et le fait qu'elles diffusent avec une belle lumière verte. Twinsen, oui. Qui dit ta cam est camée.
M'en parlez pas. D'ailleurs, je vais boire un coup, mais pas du café, là. Je vais boire de l'eau. Ah. C'est de la mauvaise cam. Ouais. Tu te souviens, dans Max Payne, j'avais dit j'ai tué des camés, allons des cafés. Alors, GG Nashevman, suivi de Twinsen et Ladjet font le podium. Ensuite, on a FunFan, Dragon Sky, Aeroster, Monsieur 11 cm, Christella, et je ferme la marche poliment. Course suivante. Twinsen, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Monsieur Wizbot a été banni. Il n'a plus le droit de jouer. Ils l'ont banni. Ouais, ouais, ouais. Voilà, tes côtés, ça fait plus que deux comptes à moi. Point d'exclamation play, allez-y. Ouais, non mais le pire, on verra, ça a été immortalisé en clip d'ailleurs, sans que je fasse exprès, parce que je voulais immortaliser un autre truc au même moment. Mais on voit qu'il y avait une course où il y avait le robot du jeu, c'est-à-dire Pixel by Pixel Bot, qui était présent, qui était le détenteur du record, et Wizbot l'avait battu. Donc Wizbot s'est fait repérer, et du coup ils l'ont banni. C'est con, hein. Mais je pense que c'est ma faute en fait. Alors que d'autres, visiblement, avaient trouvé l'astuce, puisque Wizbot avait des statistiques de fou. C'est-à-dire qu'il y a d'autres diffuseurs qui utilisent Wizbot qui ont compris qu'ils pouvaient engager la bille du robot. Enfin, si je puis dire, vous m'aurez compris. Et du coup, ça fait désordre, quoi. Mais bon, c'est anecdotique. L'essentiel, c'est que moi, je veux pas me faire ban du jeu de billes, parce que là, je serais triste. Si je peux plus vous diffuser les billes, je serais malheureux. Nous aussi. Bah oui. Ah, j'ai des idées oui. Pour Wizbot et ses répliques intelligence artificielle, mais j'ai pas le temps de les rédiger. Non, là, apparemment, ça a pas mal marché quand je vous ai fait hommage. Tout à l'heure, j'ai testé avec Christella, vous l'avez vu. Ça vous a fait une belle annonce. Il faudrait que je revérifie d'ailleurs sur la tablette aussi. Attendez, il faut que je baisse mon son. Voilà. Je suis choqué, le singe. Pourquoi t'es choqué? Tu m'as dit, oui. Ah, j'ai pas fait gaffe. Mais tu voilà, c'est ouais. Malin, vous êtes en train de me lobotomiser avec vos âneries. Non, il est là, monsieur, en centimètres. T'inquiète pas, Dragon Sky, il est là. Attends. Alors, si à la vocale, attention, j'ai utilisé la synthèse vocale. Cette fois-ci, je vais essayer de faire la pub de Dragon Sky, mais oralement, je veux voir ce que ça donne. C'est l'heure de la réclame. Le sage vous propose Dragon Sky 57 qui se présente comme suit. Bienvenue dans les lives de Dragonski alias Dragon du Ciel pour les intimes rires du contenu en tout genre des rires et du divertissement consent RE accent aigu sur le gaming visité avec vos amis pour me découvrir clin d'œil. Ah, alors que Tabi, je suis dans les larmes, mon pauvre Dragonski. Ouais, ça marche pas mal, mon truc. Winsen aussi, je vois qu'il a chuté. Oh non, mais c'est un carnage, les bombing Tesla, le parcours là. À qui d'autre je pourrais faire la pub? Tesla. Comme Elon Musk. Aeroster, par exemple. Là. D'ailleurs, la map s'appelle Colis of Power. Et celui qui détient le record, c'est Drive Ted. Et celui qui détient le record chez nous, c'est un certain Twitch. On le connaît pas. C'est un nouveau, là. Il est venu une fois, il a fait hop, et hop, il a eu le record. Ouais. On a de le découvrir. Ouais, la voix de synthé, ouais, bon, c'est moins que rien. Non, mais je t'en prie, Aeroster. Donc, du coup, vous voyez la pub textuelle, j'y viens en texte uniquement, d'Aeroster. Moi, c'est bizarre, je la vois pas sur mon retour de tablette. Moi, non. C'est l'heure de la... T'es sur téléphone ? Sur téléphone, je vois la pub de Dragon Sky, mais pas de Aero. Mais C'est bon à savoir. C'est-à-dire que ma méthode pour faire l'annonce pour Aeroster ne fonctionne que sur PC. C'est vicieux. Ça fonctionne pas sur tablette et téléphone. Ça, okay. C'est bon à savoir. Ah, on sait comment ça faire. Ceux que tu apprécies vraiment, une pub totale, et ceux que tu apprécies moins, une pub syndicaliste minimum. T'es horrible, fan. Oh là là, je t'adore. Voilà. C'est malin. Mais non, mais c'est intéressant. Bah, ma commande, justement, la commande saut, moi, je la fais pas. Je voulais juste essayer de me distinguer un peu de la masse et faire une cuisine à ma manière. Et là, j'apprends un truc. J'apprends que le truc de l'annonce tel que je l'ai programmé, ça marche que sur PC. Et c'est à l'aveugle sur les tablettes et les téléphones, donc les autres plus petits terminaux informatiques. Ça, c'est intéressant. Ah, ça fait plaisir. Enfin, samedi, tu peux voir Caméra Café jusqu'au bout.
que d'habitude, on reprend l'antenne du voir à 13h, ça fait plaisir. Christella Nachevman, GG, pardon. Ça fait plaisir. Ouais, bah c'est bien que tu peux voir ton caméra café. Que j'ai une double dose, puisque mardi, il y a eu aussi du caméra café. Mmh. Ah oui, t'as vu le spécial il y a 20 ans, qu'est-ce qu'ils sont devenus depuis? Ouais. Bon, c'était pas mal, mais après on sent qu'ils ont plus trop l'énergie qu'ils avaient quand ils étaient plus jeunes. Et il y a quelques incohérences dans l'univers, puisque ça reprend tous les événements qui se sont passés, que ce soit sur la série d'origine, les films. Il y a des trucs qui vont pas, mais bon, l'esprit est toujours là, donc ça fait plaisir. Mmh. Voilà. Oui, Team Christella en force, c'est ça. Ouais, GG Nachevman et Christella, ouais. Vous avez été les seuls à rallier l'arrivée. Non mais les vilaines, la course des bobines Tesla, elle est terrible. Alors à chaque fois que je vois le parcours avec les bobines Tesla, je suis obligé de faire le rapprochement avec Command & Conquer, Alerte Rouge. Où justement, il y avait les bobines Tesla qui arrivaient, c'était excellent. La team Christella, elle est en team cristal. Et elle a le record local. Alors on voit pas le chrono, je sais pas pourquoi c'est hors cadre, mais on voit que Christella détient le record local. Attends, celui qu'on a vu en clip tout à l'heure. En plus, ah ben, comme ça. Peut-être, je dis. Hein. Mais c'était pas mal là, je pense, que je vous ai mis l'intégralité des clips dans un ordre aléatoire. Ça permet de casser un peu la routine des compilations toutes faites dans l'ordre précis. Ah, c'est mieux. Enfin, c'est bien de mettre la compile quand c'est une nouvelle totalement inédite, mais une fois qu'on les a vues, c'est bien de mettre tout en aléatoire parce que. Ça évite je ferai comme ça dorénavant en fait. Et j'ai pas fermé mon lecteur multimédia. Je vais enregistrer la liste de lecture après dans la coulisse. Enfin, je le ferai quand je serai ton guide tout à l'heure là dans quelques minutes dans le jeu d'aventure. Et je vais garder le principe là, c'est pas plus mal. Alors le pire c'est qu'il existe une option d'implémenter VLC. Ou un autre lecteur multimédia, je crois, dans OBS, pour parler un peu technique du côté des diffuseurs. Vous avez carrément de quoi implémenter le lecteur multimédia. Le problème, c'est qu'il bug. Au bout d'un certain moment, il y a une mauvaise gestion de la mémoire tampon, et il enfle tellement au niveau des vidéos à charger que OBS finit par crasher. C'est dommage, l'idée est excellente. Mais du coup, je préfère vous faire une capture de mon écran complet avec mon propre lecteur multimédia indépendant d'OBS qui fait le boulot. Et ça se passe très bien. Il faut juste faire quelques clics de plus. Mais c'est le prix à payer pour avoir la fiabilité. Pardon. Heureusement qu'ils se sont pas nommés VDC, parce que sinon ça faisait vélo des crétins. Tu vas chercher de ces trucs à chaque fois. Mais Nachevman, ta bille, elle est partie en sens contraire. C'est quoi ce délire? Christella, c'est pareil. Mais ah vous faites la contre-performance de la course précédente, c'est quoi ce délire? Elle est bien votre team, elle fait la contre-performance juste après. Et du coup, la team fan avec le sage et monsieur 11 cm. Enfin, la team le sage. Ah non, mais c'est... Mais oui! Nous faisons le podium, mon cher fan. Mais bien sûr. C'est énorme. Et en plus, tu es pris en sandwich entre mes deux pseudos. Encore complètement. Ce qui me fait peur, c'est que monsieur 11 cm est derrière moi. Tu es des Dragon Sky, tu es une scène et Aeroster. C'est n'importe quoi. Le direct ne veut plus rien dire. Aïe aïe aïe, quelle folie. Allez, zou, course suivante. Je sais même plus c'est la numéro combien. C'est la 4 de 6. Zou. Oh, c'est Logir qui a le record local. On le sait, ils sont fair play. C'est parce qu'ils le font exprès. Comme ça, on les sous-estime sur la prochaine course. Hop. Ouais. On se dit, ils vont encore se planter et après nous la mettre bien en bas. Point d'exclamation, play! Donc, je connais la stratégie. C'est bien Nachevman, je suis toujours à contre-courant. Ah là là. Oh bah, ça c'est sûr que mes blagues sont à contre-courant du rire, ça c'est sûr. J'assume. D'ailleurs, je suis en train de me dire, je vous ai enregistré toi et Aeroster là dans votre It's Take Two d'avant-hier, pardon. Par contre, les clips, je sais pas quand est-ce que je les ferai. Je les ferai en semaine, mais je sais pas quand. Oh, t'inquiète, y a pas d'urgence. Bah, l'urgence, si, c'est la règle de Twitch qui garde au chaud pendant 15 jours.
Je suis limité à 15 jours quand même. Ah, c'est une contrainte. Oui. En même temps, ça m'évite de prendre trop de retard, mais... Ça fait à l'héros, il m'entend pas. Ouais, bah dès que j'ai un moment, quoi. Il n'est pas impossible que je fasse par petits morceaux. Quand je fais par petits morceaux, d'ailleurs, pour éviter la confusion sur le Discord et déclencher des alertes, que je dépose un truc, ce que je fais, c'est que je les fais tous d'un côté, et... Voilà, le carillon qui sonne les 15h. Et je dépose tous les clips que j'ai faits par petits bouts dans la semaine en une seule fois. Voilà, histoire de bon, voilà, je dérange le Discord pendant 10 minutes max et puis j'aime bien cette tactique-là. Oui. J'aime bien quand on suit Nash, il y a marqué Fun Fan à tout court. Ça oui. Donc il ne pouvait pas faire, mais il mérite de gagner la course. Allez Nash, gagne la course. Parce que tu as satisfait gros surdimensionné. Oh, Sabi était parti pour attraper tout le monde. Dommage. Le tourniquet l'a trahi. C'est ce que je te dis, tu vois, tu passes devant. Satisfais mon ego et vous gagnerez. Il n'y a rien de mieux que corrompre un modérateur. Je ne sais plus ce que j'en entends. Oh, Christella, ta bille s'est fait éjecter, je sais pas comment. Oh merde, t'as pas de bol. Kick quoi, Dragon Sky? J'ai mon kit CPL qui est mort, mais je suis obligé de baisser la qualité des directs. Ah merde. Ah ouais, mais j'ai jamais fait confiance, je crois que je vous l'avoir déjà dit, les kits CPL, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est le fait de pouvoir avoir du réseau informatique internet via le réseau électrique, les prises secteur. Et j'ai toujours été contre, moi j'étais mécontent quand ça sortait, l'année où c'est sorti. J'ai dit merde, mais ils ont validé le protocole, la manière de faire. Et c'est contre nature, quoi. C'est utiliser un câble électrique pour passer des infos, c'est pas fait pour à l'origine. Donc c'est un peu comme si je disais, ah bah tiens, on va faire des économies de tuyauterie pour des raisons quelconques, de coûts, de vétusté ou je sais pas quoi. Vous déclarez, ah bah finalement, on va faire passer dans un même tuyau et de l'eau et du gaz. Enfin bref, voilà, ça me fait l'effet là, sans déconner. Et j'ai jamais pu blairer cette technologie CPL. Quand je peux éviter de la proposer à mes clients et que je peux ne pas y toucher, j'y touche pas. Le CPL, c'est de conception, ça n'aurait jamais dû exister. Bon ben, malgré que Nash a essayé de me corrompre, il n'a pas été sur le podium. Il faut faire plus, Nash. Hein. Du piston et compagnie, là, ça peut marcher. Comme dit une scène, ouais, c'est la base de fonctionnement des compteurs Linky, ouais, c'est terrible. Oh, et grâce à vous, je vais avoir une récompense maintenant au lieu de demain. Ou de ce soir, oui, ce soir, on refera les bibis ce soir. Après. C'est vrai que c'est le samedi. Alors, moi-même, Aerostar et FunFan ont fait le podium. Sinon, on a Twin Sen, Monsieur Sentiment et Nashevman qui ont rallié l'arrivée, mais Lajed, Dragon Sky et Christella, vous avez chuté dans les limbes. Je suis désolé. On file dans l'avant-dernière course. Oh, ça va, on aura 10 petites minutes de décalage. Ça te laisse le temps de te préparer tranquille ou FunFan? Point d'exclamation! Play! Alors, la Jed dit rien ne vaut un bon câble RJ45. On est d'accord, la Jed. La Jed, l'homme des RJ45, câble réseau et des fusils à pompe. Et tiens, j'en ai une bonne à vous raconter. La Jed, je te vanne, mais j'ai eu un témoignage. Alors, moi, ça m'est pas arrivé, mais c'est le témoignage d'un de mes collègues ou clients, je sais plus, il y a des années de ça. Il avait demandé, non c'était, oh c'est vieux, c'était à l'époque, vous savez, des clubs internet, du temps des modems, des forfaits 50 heures par semaine pour avoir internet, et il s'était plaint que sa ligne fonctionnait pas, il avait demandé à ce que des techniciens viennent chez lui réparer la panne, et les gars, ils lui ont envoyé un SMS en lui disant on arrive, c'était un vendredi je crois, ou je sais plus quel jour de la semaine. Il était 21h. C'était totalement en dehors des heures de travail habituelles. Et en plus, les deux techniciens, moi, j'aurais pas ouvert, hein, déjà pour l'heure, et de la manière dont ils sont présentés à la personne qui m'a témoigné cette anecdote,
C'est-à-dire que si un des deux mecs présentait de manière civile convenable, le deuxième était en habit, accrochez-vous, de cow-boy. Il avait le chapeau à l'américaine et tout. Et sur le coup, il a tiqué, il dit, mais c'est des guignols en dessous de ma tronche. Et non, c'était bien des techniciens de, je sais plus, Club Internet ou les boîtes de l'époque qui vendaient des forfaits mensuels, là. Et n'importe quoi. Là, je te vannais avec le câble réseau et le fusil à pompe, mais on était pas loin du cliché. Oui ? En vrai, c'était un chimpanzé. Un stripteaseur. Bah, tu rigoles, mais ça fait l'effet là, quoi. Entre la tenue et l'heure de dépannage, hallucinant, quoi. Mais c'était bien des techniciens. Ils sont intervenus en à peine une demi-heure chez lui et c'était réglé. Mais n'importe quoi. Et la Jed, tu vas nous dire que ta radio de cœur, c'est énergie pour l'écouter avec ton RJ45. Non, ça te prend plein d'énergie. Oui. Oui, et toi, t'écoutes fun, mon cher fan. Hein. N'importe ça quoi. Ça fait tranquille. L'humiliation. Oui, je me souviens qu'une fois, Ascar Kappa qui m'avait appelé fun radio. Ouais, bon, c'est tout trouvé. On embrasse la Cascapac. C'est bien, il va bien en ce moment. Il a vraiment la pêche là. C'est cool. Bon, on n'oublie pas Skyrock pour les fans de rappeurs. Hein. Mm. Et Nostalgie pour les anciens. Et Chéri FM pour les love. Voilà. Mm. Comme ça, le CSA, enfin l'Arcom, nous laisse tranquille. Ouais, tu as raison. On sait jamais. Hein. Si aussi, n'y croit pas. Mais un jour, l'Arcom, ils vont arriver sur Twitch, YouTube. Ils vont appliquer leurs mêmes règles qu'à la télé. Faut anticiper, hein. Leur loi rétroactive. Ouais, bien là, dit. Il est rigolo. Mais, je maintiens que je fais des meilleures blagues que toi. Tu sais, la grande différence entre mes blagues et les tiennes, c'est que tes blagues, elles s'en prennent sur le physique ou sur les particularités des gens. Moi, les miennes, elles s'en prennent sur personne. Voilà. Christella, tu détiens le record local. Nayone l'avait en 1,51, tu l'as maintenant en 1,44. T'as pas perdu ta journée, Christella, bien joué. Yeah, bien. Suivi de moi-même et de la Jet pour le podium. Ensuite, on a 11 cm, Twinsen et Dragon Sky. On chue dans les limbes, Aerostern, Achèvement et Fun Fan. J'en suis navré. Et c'est la dernière course avant de filer chez Fun Fan, justement, ce dernier. Vous serez bienvenue chez mon stream, sur mon stream. Oui, j'ai ouais, pas l'exclamation play. D'ailleurs, Florent Pagny, j'attends toujours qu'il m'invite chez lui. Il m'a dit que je serais bienvenu, mais il m'a toujours pas invité. Mm-hmm. Donc, si un jour, Florent, tu nous écoutes, tu peux m'inviter chez toi. Je serai ravi de venir. Alors, Florent Pagny, il a failli se faire éconduire. On m'a donné l'info cette semaine dans les âneries people de la presse, là, au moins les sujets légers. Et en fait, il s'était retrouvé. Florent Pagny, en dehors de la France, il vit en Argentine, en Patagonie, comme il aime le dire avec sa douce. Et il a été éconduit dans le hall d'un hôtel luxueux. Où il se trouve que c'est le groom qui, heureusement, l'a reconnu, mais pas le patron de l'hôtel. Et le patron, en fait, l'avait pris pour un clodo. Car Florent Pagny était bon, à son aise, et il se promenait avec un chien qui tenait en laisse, et il portait un poncho. Et il se trouve que le responsable de l'établissement l'a pris pour un miséreux, quoi, en train d'errer. Alors que non, il se faisait juste une promenade et il profitait de l'hôtel, quoi. Enfin, voilà pour l'anecdote. Et il aurait pu se faire bousculer, en fait, si le groom l'avait pas reconnu. Voilà, une anecdote totalement inutile. C'est pour ça que j'avais dit à mon interlocuteur, c'est peut-être un papier juste pour en vendre, pisser de la copie pour ne rien dire. Voilà. Mais tu m'y fais penser en parlant de Florent Pagny. Non, moi, ce qui me choque, dans la bio de Florent Pagny, et je vous l'avais dit il n'y a pas si longtemps, j'avais plaisir à me réécouter la chanson qui a fait le succès de Vanessa Paradis, Joe le taxi. C'est une chanson que j'aime beaucoup. Et, enfin, du moins, l'air de musique saxo et extra. Et en relisant la biographie de Vanessa, je voulais savoir comment elle se porte en ce moment. Je lui dis, tiens, je n'avais pas de nouvelles, elle est bien discrète. Et j'ai beaucoup de sympathie pour Vanessa Paradis.
Et j'avais oublié qu'en début de sa carrière, bah, alors qu'elle était même pas majeure, elle a été révélée avec le clip à l'âge de 15 ans, je crois. Toute mimi qu'elle était. Elle l'est toujours d'ailleurs, elle n'est pas vilaine. En fait, bah, elle sortait déjà avec Florent Pagny à l'époque. Et bon, enfin bref, ce qui est fait est fait. Mais sur le coup, ça m'a surpris. Et... Alors, choqué, le terme est fort, mais ça m'a un peu dérangé, on va dire. Ça se comprend. Oh la pauvre. Même à ses débuts, je sais pas pourquoi elle a eu tant de haine que les gens lui crachent même dans la gueule. Je sais pas pourquoi. Elle a attisé autant de haine alors qu'elle n'est pas. Elle n'est pas méchante, j'ai jamais vu faire. J'ai jamais vu vulgaire ou insulter les gens ou quoi que ce alors, soit. À la base, elle ne l'était pas, mais elle est devenue parce qu'en fait, elle a fini par devenir le miroir reflétant ce qu'on lui faisait subir. Moi, je me souviens dans un magazine, le magazine Voilà, je fais exprès de faire l'erreur, vous aurez compris. Je me souviens quand j'étais ado, elle avait été photographiée en train de faire un doigt d'honneur. Parce qu'en fait, elle était poursuivie par les paparazzi, là, les photographes harceleurs en pleine rue. Et bon, il y avait de quoi, quoi. Elle voulait qu'on lui foute la paix. Excusez-moi du peu d'être cru dans le terme, mais voilà, quoi. Tiens, vous voyez, je détecte dans mes radars, j'ai mon logiciel de diffusion. Je vois qu'il y a le robot de l'éditeur du jeu. Là, il y a Pixel Back Pixel Bot qui est connecté à ma chaîne. Je suis en train d'être surveillé par les concepteurs du jeu. Je me souviens d'une archive où c'est... comment il s'appelle ? C'était Paris Hilton qui était suivie par tous les paparazzi. Et du coup, elle était suivie, machin, il a traqué. Bon, après, on n'aime pas Paris Hilton, ça c'est un autre débat. Et elle était tombée en panne d'essence. Mais elle n'était pas très loin d'une station-service. Elle a demandé à tous les paparazzi, ils lui ont tous... elle a dit, faites vos photos, faites ce que vous voulez de moi. Et en échange, je vous poussez ma voiture sur la station. Ils l'ont fait. Malin. Ça devait être extrêmement chiant à vivre, mais au moins, elle a retourné la situation à son avantage. Pas mal. Bon, je remporte honteusement la course, suivie de 11 cm et d'Aeroster. Voilà pour le podium, GG. Et Dragon Sky, FunFan, Nashevman, Christella, vous avez suivi. Au moins, il n'y a personne qui s'est perdu dans les fins fonds du niveau. Je suis arrêté sur l'île des paresseux, dit Twinsen. Nash dit, 11 cm qui me dépasse. D'ailleurs, bah tiens, t'es troisième sur le podium des 6 courses. Et Dragon Sky dit, moi c'était avant-hier, j'ai croisé le sosie de Florent Pagny dans une station essence. Sérieux ? Énorme. Oh, Christella, t'es deuxième, GG. Votre humble serviteur remporte le Grand Prix. Je n'ai rien d'autre à déclarer. Merci à vous d'avoir joué. Taillé, t'es prêt à lancer ton direct, que je te fasse le relais de chaîne, fun fan ? Je vais mettre mon casque, je vais le brancher là où il faut et puis hop. On dira pas où. Bon, sur mon haut-parleur, tout simplement pour faire plaisir à Twinsen. Non, il m'écoute avec ses trucs. Oui. Tu fais bien de préciser. Bah, et j'ai eu mes petits points de. En bas, il a dit challenge complete et puis. One prochain coin bonus. Bah, c'est où que je peux récupérer ma monnaie? Mes petits points fidélité, beau vilain. Ah, voilà, réclamez votre récompense. Oui! Oui! J'ai 70 petits points. Je crois que c'est 75 pour acheter un emplacement. Oh oui. Il me manque 5 sniff. On le rachète ce soir. Ouais, si on fait beaucoup. Peut-être que. Eh, enfant comme je suis, peut-être que tout à l'heure sorti de chez FunFan, je vous proposerai soit qu'on fasse que des bibis jusqu'à peut-être 23h, quitte à ce qu'on fasse 5 grands prix de 12 courses, un truc de fou. Et je prends le chèque et le liquide, un HMan. Et ouais, GG, merci, non, mais c'est cool de participer. Et ouais, peut-être que je déclencherai un max de points, puis je vais finir par déverrouiller ma fraise, moi. Moi, je voulais la fraise. Oh, attendez, je peux même pas vous la, je peux même pas vous la montrer. Ouais, je voulais faire la fraise, au secours. Je sais même pas comment on fait pour personnaliser. C'est truqué. Ouais, on fera des grands prix de Bibi après FunFan. Soit je fais un petit jeu rapide ou un Gartic Show, un Gartic Fun avec vous, en gros de 18h30 à 19h30, 20h si vous voulez.
Et puis après, on se fait une soirée spéciale que des bibis. Je pense qu'on est bien parti pour, parce que je suis vraiment en forme, puis j'ai envie de me défouler, vous me connaissez. Attends, faut que je programme le raid chez toi, Fanfan, j'oublie. T'as 90 secondes, j'ai validé, na. Ok, ok, ok. Je vais lancer alors. Allons-y. Mais oui, vas-y. J'ai envie de dire, vous avez gagné le droit de voir ma tronche en gros plan. C'est-à-dire le plan là. J'ai fait n'importe. Alors attendez que je vous lise dans le chat. Voilà, moi c'est chat. Prêt. Ouais. Je vais déjà squatter ton chat. Coucou. T'as manqué le raid et je commence à saluer une fois ce dernier fait. Oui, t'as raison. Tiens, je vais redémarrer mon Steam. Comme il veut se remettre à jour, celui-là, il arrêtera de me harceler avec la fenêtre. Voulez-vous? Oui, non, oui, non, oui, non. Ah oui. Je vais faire un truc. C'est vrai qu'il faut que je dise à Dilo aussi de venir, sinon il est pas content après. Il râle. Si on l'oublie, il râle. Mm-hmm. Il n'est pas content pour venir tout seul. Il a besoin d'être un VIP de chez VIP. Bah oui, il aime se faire désirer. C'est un malin. Il connaît que trop bien. Ah, si tu veux. Voilà. Il faut que je charge mes notes, moi, pour te guider. C'est pas tout de faire le mariole, mais il faut que je charge le bon répertoire. La bascule va se faire d'un instant à l'autre. Merci d'avoir suivi. Bisous, d'ailleurs, je suis très vilain, je devrais dire merci pour les abonnements. Merci Soul Goodman qui a renouvelé son abonnement. Merci aussi à je sais plus qui a donné des cheers. Et qui, ah oui, et puis il y a le prime de... Il y a le prime de je sais plus qui non plus. Merci. C'est très gentil. C'est bisous. Parti. Oh, tu as pu faire 11. Non, je plaisante. Oh, l'autre. Okay. Bonjour à tous et bienvenue. Je vais lancer le jeu. Queen Amazon. Oui, la reine Amazon. L'Amazon Queen. Pardon, je ne sais jamais dans quel sens je dois dire le nom du jeu.